que ce soit en termes de participation, que ce soit en ce qui concerne la qualité du débat. Et me saluer l'inspecteur général, la police là, bon, qui pas t'a parlé dans la police, mais qui t'a parlé dans une espèce de comité d'ensemble, qui font brillantes interventions. C'est preuve que dans la police nationale d'Haïti, nous avons des cadres supérieurs qui sont capables de diriger la police dans n'importe pays sur la terre. Ils font magistrale intervention. Et maintenant, seul ça me regrette, et ma peau dit encore, il y a des acteurs politiques, moi qu'on est au conseil là, invités pour venir participer dans un débat qu'a fait là, un débat entre Haïtiens, un débat qu'a fait sur les questions haïtiennes. On débat qu'a fait en Haïti et on choisit pas participer. Yo pas venir, yo cracher son initiative haïtienne, yo cracher son projet haïtien que au conseil là a appliqué, a mettre en œuvre. Alors que même moun sa yo, yo gen tan répondre présent, il y a une réunion qui pourrait le faire Jamaïque 11 12 13 juin 2023. Et puis on pas d'accord pour venir discuter entre nous en Haïti. Si c'est moun sa yo nous gen comme leader, comme classe politique, franchement, comme le disait Antenor Firmin, il est difficile de voir de jour meilleur pour Haïti. Si nous avons des problèmes en Haïti, nous sommes leaders politiques, nous ne sommes pas d'accord pour nous chita entre nous en Haïti pour nous discuter, pour nous parler, nous prêts pour nous parler à l'étranger. Lorsque il y a tout corps diplomatique là-delà, il y a un problème haïtien, il y a un problème de leadership au niveau national. De toute façon, comme ce n'est pas trop tard, moi j'espère participer aujourd'hui. Parce que, à la vérité, le dialogue doit être d'abord inter-haïtien et le dialogue doit se faire en Haïti et le dialogue doit se faire sur les questions haïtiennes. Merci. Moi, penser ça qui intéressait moi-même, ça moi qui fondamental. Dans le mouvement Napaléa, le mouvement Bois-Galéa, moi y a un mariage entre la population et la police. Et succès mouvement Bois-Galéa, c'est la police qui fait succès parce que la police marie avec la population. La population va gagner un pour affronter assassin. C'est la police qui est en avant. Et c'est ça que fait, moi encourager le gouvernement pour continuer à investir dans la police. Continuer à mettre moyens dans la police, pour la police avec le peuple là, bah résultat. Et ça, pour moi, c'est un bagage extraordinaire. Pendant les 4 dernières semaines, nous avons obtenu des résultats extraordinaires dans la lutte contre l'insécurité, dans la lutte contre le kidnapping. Moi, je crois que ce mariage entre la population et la police doit continuer. Et mariage ça, là, bah résultat. Le peuple a gagné des cibles très claires. Peuple là intelligent, peuple là a continué, rete marié, rete collé avec la police pour nous jouer une bout phénomène insécurité. Mouvement bagarre là deux continuer. On dit mariage population avec la police là qui commence à bail résultat, faut le continuer dans tout pays là, parce que nous-mêmes position pas nous claire, c'est zéro tolérance contre les gangs, contre les voyous. Alors comment c'est vraiment que ce soit en termes de participation, que ce soit en ce qui concerne la qualité du débat. Et me saluer l'inspecteur général, la police là, bon, qui pas t'a parlé dans la police, mais qui t'a parlé dans une espèce de comité d'ensemble, qui font brillantes interventions. C'est preuve que dans la police nationale d'Haïti, nous avons des cadres supérieurs qui sont capables de diriger la police dans n'importe pays sur la terre. Ils font magistrale intervention. Et maintenant, seul ça me regrette, et ma peau dit encore, il y a des acteurs politiques, moi qu'on est au conseil là, invités pour venir participer dans un débat qu'a fait là, un débat entre haïtiens, un débat qu'a fait sur les questions haïtiennes, un débat qu'a fait en Haïti, et on choisit pas participer. Ils pas venir, ils cracher son initiative haïtienne, ils cracher son projet haïtien. Que au conseil là a appliqué, a mis en œuvre. Alors que même Mounsayo, nous avons répondu présent,
il y a une réunion qui pourrait être faite Jamaïque, 11, 12, 13 juin 2023. Et puis, on va d'accord pour venir discuter entre nous en Haïti. Si ces gens nous ont comme leader, comme classe politique, franchement, comme le disait Anténor Firmin, il est difficile de voir de jours meilleurs pour Haïti. Si nous avons des problèmes en Haïti, nous sommes leaders politiques. Nous ne sommes pas d'accord pour nous chita entre nous en Haïti pour nous discuter, pour nous parler. Nous sommes prêts pour parler à l'étranger. Lorsque il y a tout le corps diplomatique là-delà, il y a un problème haïtien, il y a un problème de leadership au niveau national. De toute façon, comme ce n'est pas trop tard, moi j'espère participer aujourd'hui. Parce que, à la vérité, le dialogue doit être d'abord inter-haïtien et le dialogue doit se faire en Haïti et le dialogue doit se faire sur les questions haïtiennes. Merci. Moi, je pense que ce qui intéressait moi-même, ça moi, est fondamental dans le mouvement Napaléa, le mouvement Bois-Galéa, moi, il y a un mariage entre la population et la police. Et succès mouvement Bois-Galéa, c'est la police qui fait succès parce que la police marie avec la population. La population n'a pas de zame pour affronter l'assassin. C'est la police qui est en avant. Et c'est ça qui fait. Moi, encourager le gouvernement pour continuer à investir dans la police, continuer à mettre moyens dans la police, pour la police avec le peuple, bah, résultat. Et ça, pour moi, c'est un bagage extraordinaire. Pendant les 4 dernières semaines, nous avons obtenu des résultats extraordinaires dans la lutte contre l'insécurité, dans la lutte contre le kidnapping. Moi, je crois que ce mariage entre la population et la police doit continuer. Et mariage ça là bas résultat. Le peuple a gagné des signes très clairs, le peuple a intelligent, le peuple a continué, rester marié, rester collé avec la police pour nous jouer une bout phénomène insécurité. On va voir. On va continuer. Mouvement bagarre là deux continuer. On dit mariage population avec la police là qui commence bas résultat. Faut le continuer dans tout pays là parce que nous mêmes position pas nous claire, c'est zéro tolérance contre les gangs, contre les voyous. Alors comment c'est comment. Que ce soit en termes de participation, que ce soit en ce qui concerne la qualité du débat. Je me salue l'inspecteur général, la police là, bon, qui n'a pas parlé dans la police, mais qui t'a parlé dans une espèce de comité d'ensemble, qui font brillant d'intervention. C'est preuve que dans la police nationale d'Haïti, on a des cadres supérieurs qui sont capables de diriger la police dans n'importe quel pays sur la terre. Se font magistrat d'intervention. Et maintenant, seul ça me regrette, et m'a beau dire encore, il y a des acteurs politiques, moi qu'on est au conseil là, invités, pour venir participer dans un débat qu'a fait là, un débat entre haïtiens, un débat qu'a fait sur les questions haïtiennes, un débat qu'a fait en Haïti, et on choisit pas participer. Ils pas venu, ils ont craché son initiative haïtienne, ils ont craché son projet haïtien que le conseil là a appliqué, a mis en œuvre. Alors que même Mounzaïo, ils ont été répondre présent, il y a une réunion qui pourrait être faite Jamaïque, 11, 12, 13 juin 2023. Et puis ils pas d'accord pour venir discuter entre nous en Haïti. Si c'est Mounzaïo nous gagne comme leader, comme classe politique, franchement, comme le disait Anténor Firmin, il est difficile de voir de jours meilleurs pour Haïti. Si nous avons des problèmes en Haïti, nous sommes leaders politiques. Nous ne sommes pas d'accord pour nous chita entre nous en Haïti pour nous discuter, pour nous parler. Nous sommes prêts pour nous parler à l'étranger. Lorsque il y a tout le corps diplomatique là-delà, il y a un problème haïtien, il y a un problème de leadership au niveau national. De toute façon, comme ce n'est pas trop tard, moi j'espère participer aujourd'hui. Parce que, à la vérité, le dialogue doit être d'abord inter-haïtien et le dialogue doit se faire en Haïti et le dialogue doit se faire sur les questions haïtiennes. Merci. Moi, je pense que
ça qui intéresse moi-même. Ça moi qui est fondamental. Dans le mouvement n'a pas l'air, mouvement Bois Galéa, moi un mariage entre la population et la police. Et succès mouvement Bois Galéa, c'est la police qui fait succès parce que la police marie avec la population. La population va gagner zam pour affronter assassin. C'est la police qui est en avant. Et c'est ça que fait, moi encourager le gouvernement pour continuer à investir dans la police, continuer à mettre moyens dans la police. Pour la police avec le peuple là, bah résultat. Et ça, pour moi, c'est un bagage extraordinaire. Pendant les 4 dernières semaines, nous avons obtenu des résultats extraordinaires dans la lutte contre l'insécurité, dans la lutte contre le kidnapping. Moi, je crois que ce mariage entre la population et la police doit continuer. Et mariage ça, là, bah résultat. Et le peuple a des cibles très claires, le peuple a intelligent, le peuple a continué. Rete marié, rete collé avec la police pour nous jouer une bout phénomène insécurité à phénomène kidnapping. Mouvement bagala de continuer. On dit mariage population avec la police là qui commence pas résultat faut le continuer dans tout pays là, parce que nous-mêmes position pas nous claire, c'est zéro tolérance contre les gangs, contre les voyous. Alors,